Je n'ai absolument pas besoin de vous expliquer ce qui va se passer. Vous avez été énormément à me demander cette vidéo parce que vous avez vu la vidéo. On a joué Gogeta et Super Vegeta Ultra dans la même team, juste tous les deux face à trois adversaires. Et vous m'avez dit, mais il faut qu'ils fassent la même avec la version Blue. Les gars, votre esclave de contenu, votre troubadour. Je suis votre troubadour de service, finalement je suis là pour vous divertir. Et ben let's go les gars, c'est parti. Je vous ai mis l'OST banger de Fatboo, en plus elle est incroyable l'OST les gars de Fatboo sur Dokkan, elle est grave chill. Ça va être chaud de ouf face à ça. On n'a pas le max des caps Z Ultra sur Vegeta Blue, mais on n'en est pas loin. Et puis Gogeta Blue, on a que 5 étoiles. Donc on a vraiment du boulot, ça va être dur. Let's go. Ok, c'est parti. On a du boulot les gars. Oh, l'aspect elle aurait tué les gars. L'aspect elle tuait là-dessus. Ok, dommage parce qu'avec le cut, mais il a plutôt bien joué en vrai. Par contre, il faisait le pas de côté, les gars. Aspect il était mort. On va déjà prendre le soin de. Ok, c'est un peu embêtant ça. Parce que le problème, c'est que là, dès qu'il met baby, je suis dans la sauce. Hein. Et puis en plus, il nous a augmenté le temps d'attente. Ouh, ça va être dur. Torpeur. On va les punir. On va aller punir avec Vegeta Blue, les pas de côté. C'est la punition. Je pense qu'on tue largement Baby là. Oh là là. Oh les dégâts eux. Ok! Il est mort là. On avait très mal démarré cette game. Hein. On avait très très mal démarré et on a déjà réussi. Je pense que ça va être plus facile que ce que je pensais. Armée de Freezer, ça va pas être simple parce que bon bah enfin je pense que ça s'est joué au jeu. Et puis il a deux revives. Ah ouais, pff, ça va être dur. Ah, ça va pas être facile du tout. Ouais. Faut gagner ce clash. Ok. C'est une étape, c'est une étape. On a un break là-dessus, très bien, ça permet en fait de pouvoir mettre des cartes derrière. Oui, je t'avoue, il a l'air rigolo quand même. Ah, tiens. Ok. Ça allait vite ça, ça fait plaisir, mais après les gars, un main ulti golden, je suis mort. C'est ce qu'il faut comprendre. Dégâts. Oh mais Vegeta Blue. Ah, je pense que là, en vrai, on n'est pas si mal. J'ai pas l'impression qu'il va me tuer là. Oula, Golden Seed. Ok. Ça va commencer à se compliquer, les gars. Vous avez vu quand Golden ils attrapent. Mais là, la game de Vegeta Blue est incroyable pour l'instant.
Bien joué ça. Terminé les gars, trop fort. Point faible trop fort. Point faible trop fort, Golden Freezer, point faible trop fort. C'est quoi ce perso? Eh les gars, ça se trouve, on va se retrouver avec un match-up similaire. Vous remarquez les gars que pour ces genres de concept fun, à chaque fois c'est la première game qui se passe incroyablement bien et toutes les autres qui sont beaucoup plus compliquées. Et malheureusement, c'est un peu ce qui va peut-être se passer. Ok, allez! Ah, évidemment, ça en a embêté, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, ça me plaît, ça. Allez, pas de Super 6-7? Let's go. Et je peux pas ulti sinon il met Gohan. Allez, montre-lui Gohan Sablou. Il attaque pas. Mais inutile là je pense. Je vous avais dit qu'il allait lui montrer. Tadamina ! Eh, tue pas ! Oh, c'est terrible. Oh, c'est... il va m'inutiliser. Comment ça, tu tues pas Gohan Sablou là ? On a récupération de TP avec Vegito Blue là. Voilà, on va tuer Gohan, t'es mort, récupération de TP, destruction de cartes les gars. C'est notre moment. Alors il va piocher une strike à l'entrée en scène, mais on va quand même essayer de tackle derrière. Allez Vegito Blue, c'est toi qui fais la diff là. Non, il faut avouer que je suis team Gogeta, hein, mais le goat de la team. Ah oui. Après 14 étoiles vs 5 étoiles, faut rendre à César. À 14 étoiles, mon Gohan Sablou largement qui tue. Le tag futur, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de le jouer. C'est vrai que c'est un perso qui profite bien des caps Zenkai, avec lequel je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. On est face à futur, c'est parti. Les gars, est-ce que vous êtes pas effrayés si l'adversaire il prend deux persos là? Avec un Vegito Blue 14, tu te dis oulala. Attention quand même. Alors attention, cut de TP là qui serait pas incroyable sur Vegito Blue, sur Trunks. Donc on va le laisser en vrai là. On va laisser Gohan Sablou en espérant le faire switch en fait sur son tag. Oh putain. Je peux pas backdash les gars, ça a bugué. Qu'est-ce qu'il est incroyable les gars. Évidemment j'ai envie d'avoir du futur à l'anniversaire. Et pourtant j'étais pas le premier à kiffer, mais j'avoue que là. Oh là là. Il est mort. Je connais mon Vegito Blue par cœur. Les amis, on est en train de régaler dans ce concept là. C'est, ça me fait penser les gars à BLZ sur Twitter, pour ceux qui connaissent, un créateur FR qui fait des artworks, des trucs comme ça. Il fait des créations graphiques en fait autour de Legends. Et qui avait fait un what if les gars. Enfin un what if.
d'une carte un jour possible sur Legends qui serait un Vegeto Blue Standby Trunks Ikari. Où en gros, t'as Trunks Ikari derrière qui est en, avec le Genki Dama, en fait, avec l'épée. Et devant, t'as Vegeto Blue en fait qui le protège. Et après, t'as le Standby qui se déclenche et l'épée de, Vegeto, de Trunks. Ça serait incroyable et je suis sûr qu'un jour c'est possible. Ok, bon les gars, le frérot en face, il a mis tous les meilleurs persos dans sa team. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Il a mis tous ses meilleurs persos. Attention au Migaté, les gars. Parce que si on cut la TP avec Vegeto Blue, et ben ils ont quand même leur jeu, je pourrais esquiver. Ça, c'est chiant. Les gars, je m'amuse de fou et j'espère que ça se ressent à travers la vidéo. Parce que la vidéo des SSJ3, c'est une dinguerie, les gars. Elle a fait 100% pouce bleu. C'est très rare que ça arrive. Pour être signalé, j'espère que vous kiffez, les gars. Donc abonnez-vous. Et le pouce bleu, évidemment, ça soutient de malade. Et moi j'essaye derrière de faire mon boulot. Et ça va être dur là. Ok. Alors comment on s'y prend ici? Non, il n'y a pas de rising hein, de sa part. Et c'est maintenant qu'il va falloir réussir à attraper, les gars. Les gars, regardez les dégâts sur le banc. Regardez les dégâts sur le banc là qui va se... Regardez, vous allez péter un pont. On nullifie. On enlève la survie. D'ailleurs, on va tenter un strike cancel. On va mettre un strike, on va l'annuler. Comme ça, on va avoir la Dragon Ball. Oh 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 oh. On va le tuer là. On va le tuer. Récupère son TP. Ah, dommage, j'avais ma blast, les gars. Il est vraiment trop fort, Vegeto Blue, c'est dingue. Ah, là, c'est pas la même. Quand ça commence à sortir les Gohan Ultra, on rigole moins, même si on a quand même Gogeta Blue. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu peux mettre Gogeta Blue, cover, spé, contre de Gohan, spé, contre Gogeta Blue, spé. C'est une possibilité avec les deux jauges, mais il faut avoir les deux jauges remplies. Le jour où je réussis ça, ça serait mort de rire. Ok. En vrai, ça me bat. Proc la jauge, ça me bat, les gars. Non, proc la jauge, notre jauge, hein, je sais pas, la sienne, non. C'est vraiment un perso de merde, Gohan, quand même. Regardez ça. Je pensais qu'il allait main, malheureusement c'est pas le cas. Attention, ça va être Gohan contre le reste du monde là. Rising Rush en vrai, hein, c'est possible. Les gars, il faut que j'aille. Parce qu'il le fait pas. Hein. Avec un support, il le fait large. Hein. Vegeto Blue, c'est incroyable si tu le fais, mais. Derrière, il a une spé, une verte, les gars.
Mais c'est normal que Visto Blue soit votre perso préféré. C'est normal. Ah, on va mourir là-dessus. On va mourir et ce qui m'embête, c'est que derrière on a que des cartes. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur les gars. Cut de ki et tout, ah, ça va être terrible. Gohan est trop fort. Mais genre vraiment trop fort. Donc pas ça. Faut pas s'en vouloir les gars, hein, je peux rien faire. Gohan est trop fort. On terminera sur une défaite les gars, j'ai fait ce que je pouvais. On a mis un one shot de malade sur Vegito Blue. Je rappelle qu'on joue avec deux persos. Donc tout ce qui est item pur et tout, ça marche pas. Et puis bah on n'a pas de support. Forcément ça joue. Les gars, comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce bleu et l'abonnement, on vous dit à très vite. Ciao.